Salut les amis, petit aparté, avant de commencer ce nouveau vlog, j'ai reçu des lampes de la part de Olay qui m'informe que vous avez des grosses réductions pour Noël. Donc si jamais vous voulez faire un cadeau pour Noël à vos amis cyclistes, à vos copains cyclistes, à vos copines cyclistes ou votre père cycliste, n'hésitez pas, c'est vraiment des lampes de qualité, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Par exemple, cette RN3500 qui éclaire à 350 mètres de longueur, forcément, c'est comme en plein jour. Et pour le coup, en cet hiver où on va tous s'entraîner un petit peu tard le soir ou tôt le matin, faut se protéger, il faut voir, il faut être visible. Donc je vous invite vraiment à vous procurer ces lampes si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je vous dérange pas plus longtemps, je vous laisse avec le vlog, bonne vidéo. Je me suis fait contacter par un magasin de vélo afin qu'on puisse discuter d'un éventuel partenariat. Donc là, je vais à mon rendez-vous, ça va être sympa, on va discuter. Je ne sais pas du tout pour quelle raison il m'a appelé, mais voilà, ça coûte rien d'y aller. Et puis, ben, on verra bien. Ce vlog a été filmé entre la course d'Anceny et la course de Saint-Herblain. Donc si jamais vous voyez les courses passer sur la chaîne YouTube, vous saurez que ce vlog était entre les deux. Aujourd'hui on est mardi et on va faire notre premier entraînement de la semaine, on va aller courir, effectivement il fait nuit mais bon voilà ça va le faire, il fait un petit peu froid. Mais voilà, on part pour 30 minutes plus ou moins tranquille, normalement je suis censé faire 10 sprints de 50 mètres, on va voir si j'arrive à les faire ou pas. Et puis bah voilà, c'est parti pour 30 minutes de course à pied. On va courir 30 minutes tranquille parce que ça fait un peu longtemps que j'ai pas couru. Donc on va pas se blesser et puis vous m'avez beaucoup dit dans les commentaires que je courais trop vite. Vous les experts en course à pied, vis-à-vis du fait que je suis un giga débutant. On part pour 30 minutes à environ 5 minutes par kilomètre, je pense. Bon les amis, entraînement fini, j'ai fait que 23 minutes parce que j'avais mal au mollet, simplement. Ça commence à me tirer, j'ai pris zéro risque, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas couru. Donc voilà, j'ai pris aucun risque, je suis rentré tranquillou, j'ai fait du 5 minutes 20 je crois. Donc j'ai couru tranquille, voilà, je vous ai écouté, vous m'avez dit cours moins vite, je cours moins vite. Et puis comme vous voyez, alors ça me tire le mollet déjà, donc ça prouve que pour une reprise, entre guillemets, parce que j'ai pas couru plusieurs semaines, c'était plus intelligent de courir doucement. Donc voilà, n'hésitez pas à me parler en commentaire, je vous écoute et je prends en compte ce que vous me dites quand, bah, quand vous avez raison tout simplement. Salut les amis, aujourd'hui on est samedi matin, je vais courir. Alors pourquoi je vais courir un samedi matin? Tout simplement parce que je ne suis pas disponible ce soir. Et du coup, je voulais courir en Bretagne parce que je serai en Bretagne. Malheureusement, c'est le championnat de Bretagne ce jour-là. Et du coup, bah, moi étant pas breton, j'ai pas le droit de m'inscrire. C'est un peu dommage, j'aurais bien couru en Bretagne pour changer, tant qu'à être en Bretagne. Mais malheureusement, du coup, je ne peux pas prendre le départ. Donc je ne pourrai pas faire de course ce dimanche. Donc pas de course ce week-end. Donc je peux courir le samedi. C'est pas la veille de course, j'aurai pas mal aux jambes demain. En parlant de mal aux jambes, dans les derniers vlogs, vous m'avez conseillé de mettre des chaussettes de contorsion, compression, je sais jamais comment on dit ça, dites-moi dans les commentaires, pour courir, parce que je vous ai expliqué que j'avais très régulièrement des fourmis dans les pieds, et vous m'avez conseillé de faire ça. Donc on va essayer, tout simplement, on va voir si j'ai des fourmis dans les pieds. Là je pars pour 30 minutes tranquille, en gros, et puis bah voilà. On va essayer de s'entraîner un petit peu, parce que je m'entraîne pas souvent en ce moment, c'est trop chiant, j'ai pas le temps, j'arrive pas à trouver le temps, tout simplement, c'est même pas la motivation, c'est un petit peu quand même, mais surtout le temps, genre j'ai pas le temps les amis, j'ai trop de taf. Et bah voilà, donc avec les vidéos et tout, bah ça prend du temps. Sur ce, on va parcourir, c'est parti. On est rendu à 16 minutes sur 30, 4 minutes 9 au kilomètre. Et là ça commence à être dur. J'ai pas mon cardio, mon cœur, donc je sais pas comment je suis. Mais là ça commence à être dur. Je dois être à plus de 180 du coup. J'ai couru au feeling. Et après j'ai vu que c'était dans les temps de 4 minutes. Je me suis dit fallait que je continue pour essayer de voir combien de temps je tiens à 4 minutes. Sachant que l'objectif des 10 km, la dernière j'avais fait 4 minutes par kilomètre. 40 minutes. Donc là, je me rends compte qu'au bout de 15 minutes, au lieu de 40, j'arrive déjà pas à tenir les 4 minutes. Je suis à 4 minutes 10 et je suis rincé. Il y a encore du boulot si je veux battre le record avant la fin de l'hiver. Bon, je suis rentré, j'ai fait 24 minutes au final. J'ai complètement explosé sur la fin. Donc comme je vous ai dit, je suis parti au feeling. C'est-à-dire que j'ai pas mon cardio comme d'habitude, il marche pas. Il n'y a plus de pile. Du coup, j'étais au feeling. Et autant en cyclocross, sur une course de cyclocross, je vais réussir à trouver un rythme qui me met, entre guillemets, à bloc, mais à la limite pour tenir toute la course. En général, ma limite, c'est 185-190 en cyclocross. En fait, j'ai pas besoin de regarder mon compteur, mon cœur ou quoi que ce soit. Je sais que je suis à mon rythme en fait. Et en course à pied, vu que bah, c'est pas mon sport,
Bah, je me connais pas du tout. Et c'est là que c'est marrant. Parce que là où d'habitude avec mon cœur je sais me gérer, là j'ai pas mon cœur non plus, donc j'ai pas pu regarder. Sinon j'aurais réussi à me gérer à 185 et ça aurait été tout seul. Là au feeling, contrairement au cyclocross, bah, j'ai explosé, j'ai pas réussi à me gérer. C'est-à-dire que je regardais pas le temps non plus. Je suis parti à 3,55 par kilomètre, donc c'est-à-dire moins de 4 minutes, donc moins que mon record sur 10 km. C'est ma référence, hein, c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Ma référence, quand je suis à mon record, c'était 4 minutes par kilomètre, donc on part du principe que c'est ma référence. Là, je suis parti à 3,56, je suis parti plus vite que je suis capable, tout simplement, surtout qu'en ce moment, bah, je suis pas au top. Et au bout de 3-4 km, je suis repassé à 4 minutes 5, c'est-à-dire, je pense, un temps que j'aurais potentiellement pu tenir plus longtemps. Et là, au cinquième kilomètre, j'ai explosé, je suis passé à 5 minutes. Et là où ça m'arrive jamais, j'avais un sorte de point de côté dans le cœur, c'est-à-dire un point, quoi. C'est pas agréable. Et j'ai pas l'habitude. Sur un vélo, jamais ça me fait ça. Parce que je sais me gérer sur un vélo, en fait. Mais en course à pied, pas du tout. Et ça prouve que si jamais je fais une course sur 10 km à pied, bah, va falloir que j'apprenne à me gérer. Et j'aurai besoin de mon cœur. Parce que sinon, je vais pas réussir à me gérer. L'avantage, c'est que j'aurais fait des 10 km au préalable pour savoir à quelle vitesse je dois courir, genre 4 minutes au kilomètre, par exemple. Et au préalable, je saurai à combien je dois courir. Donc là, l'objectif, ça va être d'apprendre à me connaître sur les prochaines semaines. Et là, il me reste 3 cyclocross à faire, je crois, ou 2. Et puis derrière, on se préparera un petit peu pour la course à pied. J'ai envie de faire une course à pied pour le plaisir, parce que ça m'amuse. L'année dernière, on avait fait un 10 km à côté de chez moi. Au hasard, en fait, pour le plaisir. Ici, ce sera pour le plaisir, mais dans le cadre d'une course. Et je pense que dans le cadre d'une course, je suis capable de me dépasser mentalement, dans la tête. Du coup, le fait d'être en course, ouais, je pense que je battrai mes records. Si je suis entraîné, bien entendu. Donc là, on va faire en sorte que ça marche. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop la foi de rouler dehors. Il fait un peu froid. Ça prend du temps de rouler. Alors que courir, tu pars une demi-heure. Tu te mets mal direct parce que bah, le cœur monte tout de suite quand t'es en course à pied. Et je trouve ça plus facile, en fait, comme entraînement. Donc l'hiver, c'est ce que je fais ces dernières années. Et puis bah voilà, je pense que je vais pas mal courir ces prochaines semaines parce que ça prend moins de temps et j'ai pas de temps en fait pour m'entraîner. Et puis pour le cyclocross, ça fait pas de mal. Donc voilà, tant que je me blesse pas, c'est bon. Là j'ai pas trop mal, j'ai un petit peu le muscle du tibia, enfin je sais pas ce que c'est autour du tibia qui tire, mais j'avais déjà un petit peu mal de la course à pied d'hier. Mais je me suis pas fait mal, j'ai pas tiré. Bon, j'ai couru moins de 30 minutes, donc on sait pas si la technique des chaussettes pour les fourmis dans le pied ont marché, parce que mes fourmis en général c'est au bout de 30 minutes. Donc on verra ça les prochaines semaines, les amis. Bon les amis, aujourd'hui on est mardi soir, je pars courir. Effectivement, j'ai pas pu courir hier, j'ai eu un petit souci de timing. Aujourd'hui on part courir tranquille, parce que j'ai couru très fort samedi, j'avais encore très très mal aux muscles du tibia, donc on va essayer de pas trop abuser, hein, on va rouler tranquille. Et puis du coup, bon, mon cœur ne fonctionne toujours pas, hein, j'ai toujours pas été chercher de piles, et du coup bah ça fonctionne pas, c'est relou. Du coup je vais m'entraîner au feeling, mais je vais courir tranquille cette fois-ci. Bon, au final, dès le début, genre grosse douleur ici, là, au muscle, bah, c'est sûrement le mollet, mais le devant. Et je vous avoue que ça pique. C'est très clairement des grosses combattues. La dernière fois, c'était, je crois, la semaine dernière, je croyais que je m'étais blessé. Mais vu que j'ai exactement la même douleur et que j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire courir trop vite, c'est uniquement, je pense, des grosses combattues. Donc là, on va continuer de courir tranquille et puis bah ça va aller tout seul. Comme ça, ça fera du bien, ça fera une petite récup pour les prochains jours. Bon les amis, je vais faire genre que je souffre pas, mais en vrai je souffre le martyr au niveau de mes mollets. Pouf, je vais rentrer tranquillement, tout doux, pour pas me blesser tout simplement. On fait quand même attention, hein. Le but c'est pas de se blesser en courant. Le but c'est de finir la saison de cyclocross et il me reste que 2 cyclocross. Et oui déjà, comme vous avez sûrement vu dans le vlog, j'ai pas pu faire de course dimanche. C'est pas souvent que je loupe un week-end, mais malheureusement c'était comme ça. Du coup ça fait un petit peu de repos, c'est pas si mal. En plus il pleuvait, donc ça remonte un peu le moral en disant bon, au moins j'étais pas sous la pluie. Mais en vrai, ça fait un peu le seum de voir les autres courir et de pas être sur le vélo, tout simplement. Donc voilà, ce week-end on va courir. En plus c'est une course à côté de chez moi, une course que j'aime bien. Une course plutôt roulante, quand je suis en forme, c'est un circuit qui me réussit plutôt bien. Donc j'espère que je serai en forme, tout simplement. En attendant là, j'ai pas trop de jambes. Hein. Le cœur ça va, hein, y a pas de soucis, mais... Les jambes, boah, j'ai pas l'habitude de courir tout simplement. Et l'objectif c'est de prendre l'habitude.